Bonjour à tous, eh bien nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 20e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Jésus, je t'offre mes misères, je t'offre mes péchés, je t'offre mes faiblesses et mes tribulations. Et, s'il te plaît, viens tout sanctifier. Fais de ma vie une lumière pour te glorifier, Seigneur. Viens prier, parler, adorer à travers ma bouche. Viens regarder à travers chacun de mes regards, Seigneur. Je viens mettre tout ce que je vais écouter aujourd'hui, et bien dans ton oui à toi. Je viens mettre tous mes actes dans tes actes à toi, Jésus. Tous mes pas que je vais faire aujourd'hui, je les dispose dans tes pas à toi, Seigneur. Mon intelligence, mes pensées, dans tes pensées, Seigneur. Mon souffle, dans ton souffle. Mes battements de cœur, dans tes battements de cœur. J'immerge tout en toi, Seigneur, dans ton océan de lumière et de miséricorde et d'amour. Je veux devenir vraiment une torche d'amour ici sur cette terre et vraiment être gorgée des sept dons de ton Esprit Saint. Viens habiter mon cœur, Seigneur, je te le demande vraiment, il est pour toi, ma vie est pour toi, je veux être un instrument entre tes mains. Vraiment, utilise ma vie pour te servir, Seigneur. Ce moment que je prends ce matin, eh bien, je te l'offre au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Vraiment, reçois ce moment en gage de mon amour, Seigneur. Alors maintenant, nous allons méditer sur le 20e jour. Et Jésus, je te demande de venir toi-même et bien parler à travers ma bouche et méditer ce moment. Viens ouvrir nos cœurs pour pouvoir comprendre et bien ce que tu veux nous dire. Et voilà, tout ce que tu veux infuser en nous et toutes les grâces que tu veux distribuer en chacun. En ce 20e jour, et bien nous allons méditer sur la 4e épine du cœur de Jésus. Cette 4e épine, c'est l'âme qui communie rarement. Vous voyez, lorsque il y a des personnes qui ne communient pas ou trop peu. La communion, c'est le but principal que s'est proposé le cœur de Jésus en instituant la divine Eucharistie. Il l'a dit, prenez et mangez, car j'ai un immense désir de célébrer cette Pâque avec vous. Venez à mon festin, ô mes amis, mangez ce pain que je vous ai préparé. C'est mon corps, enivrez-vous de ce vin délicieux, c'est mon sang. En vérité, celui qui refusera de s'asseoir à ma table n'aura pas la vie. Comment les hommes répondent-ils à cet appel? Hélas, ils n'ont que froideur et indifférence pour Jésus hostie. Nouveau prodigue, il fuit la maison du père de famille, déserte la table sainte et s'excommunie eux-mêmes. Je le sais bien, il reste encore de fidèles adorateurs du cœur de Jésus, des amis dévoués qui cherchent, comme Véronique, à essuyer son visage adorable et le reçoivent fréquemment par la Sainte Communion. Mais que ce nombre est petit, si on le compare à la multitude des impies, des indifférents, des ingrats, dont la place reste toujours vide au banquet eucharistique. Jésus nous attend à chacune des saintes messes, il nous attend, il nous appelle. Et très souvent les églises sont vides. En quel état sont ces pauvres âmes qui, depuis de longues années peut-être, n'ont pas goûté leur Dieu, n'ont pas étanché leur soif au calice du salut? Elles meurent de faim et de soif. C'est vrai que, voilà, quand nous ne revenons pas à la source, que nous n'abreuvons pas notre âme de Dieu, que nous ne nourrissons pas, eh bien, du corps du Christ, eh bien, nous allons toujours avoir ce vide que nous allons essayer de combler par les choses du monde. Mais nous allons éternellement mourir de soif et de faim. Il n'y a que Jésus qui peut combler vraiment ce vide. Combien cette désertion, cet abandon, cette mort spirituelle doivent être sensibles à la tendresse de Jésus. Quelle nouvelle et cruelle épine pour son cœur si aimant et si aimable. Écoutez comme il s'en plaint par son prophète. J'ai élevé des enfants chéris, je les ai admis à ma table, je les ai nourris de ma propre chair, et après cette première communion, ils m'ont presque tous abandonné.
et on peut le lire dans les écrits de Louisa, après la sainte scène eucharistique dans les 24 heures de la Passion. Ah, déjà au jardin des Oliviers, tous les apôtres se sont endormis. Ils ont tous laissé Jésus. Et au moment où les soldats sont venus arrêter Jésus, sont venus l'enchaîner et vraiment le traîner par terre, lui tirer les cheveux, lui cracher dessus, eh bien tous ces apôtres ont disparu. Eh bien, il ressent vraiment ce même abandon dans les églises. Quand il donne tout, il couvre chacun de toutes ses grâces, mais qu'il y a beaucoup de cœurs qui se ferment et qui refusent ces grâces et qui refusent même eh bien, de venir au banquet, vraiment au banquet eucharistique, de venir à l'église alors qu'il se sacrifie pour nous abreuver, pour nous nourrir, pour nous sauver. Âme chrétienne, soyez touchée de la plainte du cœur de votre maître, ayez pitié de lui. Tandis que la foule s'éloigne de son tabernacle, venez, priez, pleurez à ses pieds. Que l'exemple de ceux qui l'abandonnent ne fasse que redoubler votre zèle, votre dévouement, votre amour. Approchez-vous du banquet eucharistique aussi fréquemment que vous le pourrez et examinez si vous n'avez pas souvent omis la sainte communion par votre faute. Voyez Jésus, il a accepté eh bien, de passer après Barabbas, un criminel, une personne vraiment pas bien. Et il a accepté eh bien, que le peuple désire libérer Barabbas plutôt que Jésus, qui était qui est l'innocence et l'amour, l'amour pur. Et il a accepté cela pour réparer pour toutes les fois où on le faisait passer eh bien, au dernier. Vous voyez, lorsqu'on a la possibilité d'aller à la messe et que finalement on dit oh non, il fait beau, je reste un peu me promener ou je vais regarder un petit film ou je vais aller voir des amis, eh bien nous faisons passer Jésus en dernier et il souffre à nouveau de cet abandon. Il souffre de ce choix. Voilà, nous rechoisissons de nouveau de faire passer Barabbas avant Jésus. Oui, aimez Jésus pour ceux qui ne l'aiment pas. Visitez-le dans l'Eucharistie pour ceux qui l'y délaissent. Ouvrez-lui surtout votre cœur pour tous ceux qui refusent de le recevoir. Nous sommes appelés à réparer pour toutes ces personnes qui ne désirent pas aimer Jésus, qui ne veulent pas prendre part vraiment à ce miracle, assister à la messe, et alors que Jésus se sacrifie pour nous. Eh bien, nous devons réparer et nous sommes aussi appelés à réparer en adorant notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. Voyez, donnez un petit moment quand vous le pouvez pour aller adorer le Seigneur, vraiment dans le Saint-Sacrement. Vous pouvez eh bien, lui dire « Jésus, je viens refaire toutes les adorations passées, présentes et futures dans ta divine volonté pour qu'elle te loue, qu'elle te bénisse et qu'elle t'aime, Jésus. » Et nous pouvons lui demander pardon pour toutes les personnes eh bien, qui négligent ce moment ou même qui sont incrédules par rapport voilà, à sa présence réelle dans l'hostie. En retour, puissiez-vous entendre la belle parole qu'il adressait à Sainte Marguerite Marie. « Ma fille, je viens dans ce cœur que je t'ai donné, afin que par ton ardeur, tu répares les injures que j'ai reçues des cœurs tièdes et lâches, qui me délaissent ou me déshonorent dans le Saint-Sacrement. » Et alors, ça m'a fait penser, vraiment dans ce livre que je vous ai déjà renseigné beaucoup de fois, qui est magnifique, c'est « La dévotion au très précieux sang de Jésus ». Donc c'est une révélation privée. Jésus est apparu agonisant à Barnabas, un jeune homme au Nigeria. Et il lui a donné donc toutes les litanies au précieux sang, il lui a donné un chapelet au précieux sang, etc. Et il lui a fait des appels angoissés de Jésus à Barnabas. Donc vraiment pour rappeler les créatures, tous autant que nous sommes, eh bien à revenir. Jésus finit toujours tous ses appels en disant « Je suis Jésus agonisant qui vous aime, revenez à moi. » Et il y a un des appels qui est le deuxième appel angoissé où Jésus dit ceci « Mon fils, approche-toi de moi et entends mon appel angoissé. Par un amour pour toi, j'ai offert en vivant sacrifice mon corps, pain de vie pour tous les hommes. Mon sang est le précieux breuvage, le breuvage des anges du ciel, donné avec amour aux hommes. Mon fils, je demeure pour toi dans le sacrement de l'amour, t'attendant patiemment dans le tabernacle où je suis prisonnier pour toi. »
Tu viens rarement me visiter parce que tu m'oublies, moi qui suis prisonnier pour toi. » Quand il parle à Barnabas, bien sûr, il parle à chacun de nous. Il s'adresse à toutes nos âmes. « Revenez à moi, je suis seul dans le Saint-Sacrement. Je souffre de solitude. Personne ne vient m'aimer dans le Saint-Sacrement. » Il y avait un autre passage dans les 24 heures où Jésus souffrait à chaque fois qu'il entendait voilà le bruit de clés, quand les personnes s'en vont et qu'on laisse Jésus seul dans ce petit tabernacle. Eh bien, nous pouvons à ce moment-là dire « Jésus, eh bien, je te laisse mon âme. Je te laisse mon âme à côté de toi dans le tabernacle et dans toutes les hosties consacrées. Et je te dirai éternellement, je te dis maintenant et je te dirai, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue avec tes louanges, tes adorations, tes bénédictions. Ton amour, Jésus, au nom de tous, je reste près de toi. Tu n'es pas seul dans ce tabernacle. Je suis là et de manière continuelle et éternelle, tu pourras entendre mes « je t'aime » partout, Seigneur, pour compenser toutes les offenses et la solitude que tu ressens dans tous ces tabernacles, Seigneur, tous les tabernacles de tous les temps, passé, présent et futur. Mon fils, mon agonie est grande quand je vois la froideur et l'indifférence et la négligence avec lesquelles tu t'approches de la Sainte Trinité, dont la présence remplit l'Église, le Saint Sanctuaire. C'est vrai qu'à beaucoup de moments, eh bien, nous rentrons dans les églises dans une parfaite indifférence. Moi, c'est vrai que même, j'ai déjà pu assister à des concerts dans les églises et je vois que les gens finalement parlent, papotent et tournent même le dos au tabernacle. Et je me dis, et Jésus est là. Il le dit lui-même, le Saint Sanctuaire, eh bien, est rempli de notre présence, de la Trinité Sainte. Je vous demande du respect. Quand vous rentrez dans une église, prosternez-vous, prenez ce temps pour venir m'adorer, pour venir vraiment me parler, me confier vos soucis. Je suis toujours là, je vous attends, nuit et jour. Je suis ici, mon fils, je suis ici en plénitude. Crains la présence de ton Dieu. Approche-toi de lui avec respect et révérence. Mon fils, saisis-tu combien je souffre quand j'entre dans le sanctuaire de ton cœur par la sainte communion? Tes péchés me ligotent et me frappent sans merci. Je ne trouve personne dans ton cœur pour me consoler. Là, de nouveau, c'est vraiment lorsque l'âme, communie Jésus et n'est pas disposée, comme nous en avons parlé hier, tous nos péchés ligotent Jésus. Et il est comme à nouveau flagellé. Nos péchés, le frappent sans merci et il ne trouve personne dans notre âme pour le consoler et lui donner de l'amour. Il attend, en fait, au moment où nous le communions, il attend qu'on lui dise merci, qu'on lui fasse des actes de réparation. Il est fou d'amour, il est tout content de s'unir à nous et très souvent, nos prières sont mécaniques et on regarde à droite à gauche. Maintenant, ça, c'est pour les personnes qui communient. Ici, la souffrance de Jésus, c'est la solitude dans les églises qui sont à moitié vides, et c'est la solitude qu'il ressent dans le Saint-Sacrement, vraiment quand les adorations sont désertées et que très souvent, même il le dit, il doit affronter des regards moqueurs quand il y a des processions avec le Saint-Sacrement et qu'il y a des gens à eux qui regardent comme ça, il resubit toutes les humiliations qu'il a subies pendant les 24 heures de sa passion, toutes les méchancetés et les blasphèmes. Après m'avoir flagellé sans pitié, tu me chasses et me fermes la porte de ton cœur par ton état de péché. Voilà comment tu me traites par ta vie coupable. Je suis le pain de vie pour tous les hommes qui me reçoivent en état de sainteté. Je viens te donner la vie, non la mort. Purifie ton cœur de toute iniquité. Ouvre-moi la porte de ton cœur, reviens, reviens dans mon église, viens communier, ouvre-moi la porte de ton cœur, dispose ton âme à me recevoir. Fais de ton cœur un tabernacle de consolation pour moi. Mon fils, que d'une communion à l'autre, je puisse demeurer dans ton sanctuaire. Accueille-moi, accueille-moi, s'il te plaît, accueille-moi mon fils. Quelle humilité! Jésus qui nous supplie de l'accueillir dans notre cœur pour pouvoir y déverser toutes ses merveilles. Tous ceux qui m'accueillent, accueillent aussi mon Père et le Saint-Esprit qui vivent en moi. Tous ceux qui me rejettent, rejettent aussi la Sainte Trinité. Fils,
même si d'autres me rejettent, que ton cœur soit pour moi un tabernacle de consolation. Nous sommes appelés à devenir des tabernacles de consolation pour Jésus. Et il termine, je suis Jésus agonisant qui t'appelle à revenir. Reviens autant que tu peux dans les églises. Viens tous les jours si tu peux, viens communier. Je suis là, je suis seul et je t'attends. Viens réparer au nom de tous. Apporte-moi ce soulagement. Ouvre ton cœur, laisse-moi m'établir en toi. Laisse-moi te couvrir de merveilles et de grâces. Voilà. Alors pour aujourd'hui, nous avons un exemple. Nous lisons dans la vie des saints que saint Alexis, issu d'une famille noble et opulente, renonça de bonne heure à tous les biens du monde et abandonna la maison de son père pour embrasser la pauvreté volontaire de Jésus. Donc saint Alexis était un homme très riche et il a choisi délibérément de quitter la maison de ses parents pour aller vivre dans la pauvreté, pour s'unir vraiment à tous les pauvres autour de lui et vivre par, pour et en Jésus. Il était riche, il se constitua mendiant, donc il est passé de riche à mendiant. Au bout de quelques années, il revint frapper à la porte de la maison de ses parents, demandant l'aumône et un abri. Ses parents ne le reconnurent pas, tant la misère l'avait défiguré. Ils le prirent pour un étranger, lui cédèrent un asile sous l'escalier de leur château et chargèrent un serviteur de lui tendre chaque jour un morceau de pain et un verre d'eau. De longues années s'écoulèrent. Chaque jour, Alexis voyait entrer et sortir ses parents, qu'il ne le reconnaissait toujours pas, quoiqu'il les connût parfaitement lui-même. Un jour, il tomba malade, gravement malade. Ayant fait appeler sa mère, il lui dit, en rendant le dernier soupir, « Ma mère, je suis Alexis, ton enfant. » Quand la pauvre mère reconnut son fils dans le corps inanimé du mendiant qui avait vécu 30 ans sous l'escalier de son palais, elle se jeta à son cou et dit en l'embrassant et en l'arrosant de ses larmes, « Oh, mon enfant, mon cher enfant, fallait-il te reconnaître si tard ?» Que de pécheurs, au sortir de cette vie, à la vue de Jésus qu'ils auront tant méconnu, s'écrieront aussi dans le ciel, « Oh, mon Sauveur, ô Dieu de l'Eucharistie, fallait-il te reconnaître si tard ?» Vous voyez, il faut vraiment que nous aimions Jésus ici-bas. Parce que quand nous allons arriver là-bas, nous allons regretter tous ces moments que nous avons passés pour, dans les choses du monde. Pardon. Pour faire grandir notre orgueil et notre amour propre. Tous ces moments que nous n'aurons pas donnés pour Jésus, nous allons le regretter. Et il ne faut pas que nous nous écrions à notre mort, « Oh Jésus, mon Sauveur, toi dans l'Eucharistie, j'ai passé tout ce temps sans t'aimer. » Quoi, j'ai passé 30 ans, 40 ans de ma vie, à côté de ton tabernacle, presque sous le même toit que toi, et je ne t'ai pas reconnu. J'ai refusé de te recevoir, j'ai refusé de t'aimer. Que répondra Jésus ? Moi non plus, je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Se priver de notre Seigneur en ce monde, en être privé pendant toute l'éternité, quel malheur. Vraiment, essayons de prêcher autour de nous pour amener des personnes à aimer Jésus, à se rendre dans les églises, à disposer leur cœur. Jésus, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre la porte de nos cœurs. Il attend que ça. Il a tellement de choses à nous donner. Il nous aime tellement d'un amour fou et inconditionnel. Quoi que nous ayons fait, il nous aime et il nous attend. Chacune des secondes, il nous attend. Et chaque acte que nous choisissons de faire, en dehors de sa divine volonté, c'est une baffe qu'on lui donne. C'est un coup de pied, c'est un crachat, c'est un mauvais regard, c'est un blasphème, c'est un coup de flagellation, c'est une épine. À chaque fois, et à chaque fois, il revient, l'action suivante, la seconde d'après, en disant, ouvre-moi ton cœur, je te pardonne, je veux t'aimer, je t'aime d'un amour infini, aime-moi, reviens à mon cœur, soulage-moi, console-moi au nom de tous. Et à chaque fois, on le regifle et on lui dit non, 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 ici c'est notre petite volonté propre, tu comprends, on est dans un monde de requins,
c'est important, l'estime des autres, etc. Donc vraiment, promettons-lui ce matin, eh bien, de lui donner plus de temps, de lui donner plus d'amour, vraiment de tout faire pour le faire aimer d'autres personnes. Ô Jésus, c'est avec un cœur brisé de douleur que je te demande mille et mille fois pardon, pardon de l'indifférence de tous ceux qui refusent de te recevoir. Pour te consoler et pour te faire réparation à l'avenir, Jésus, je communierai souvent. Je te promets que je communierai bien autant de fois que c'est possible. Donne-moi cette grâce et vraiment que ton Eucharistie eh bien, soit le remède de tous mes maux. Fais que ce soit toujours avec un cœur exempt de péché et orné de tes vertus que je te communie, Seigneur, dans de bonnes dispositions. Ainsi soit-il. Alors nous pouvons terminer par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que nous pouvons faire dans la divine volonté, au long de tous. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit-Saint. Jésus, purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité, fais grandir en moi le désir de la sainteté. Et ce que je te demande, Jésus, je te le demande pour tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Par le cœur immaculé de Marie, aujourd'hui, je viens devant toi me jeter à tes pieds, Jésus, pour me consacrer tout entière à ton cœur, pour t'aimer et te servir en cette vie et après ma mort, Seigneur. Utilise-moi, tu le sais, je ne vis que pour toi, Seigneur, je ne veux que toi et je veux que ma vie te plaise. Et je te le demande vraiment pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Alors nous pouvons terminer par la prière de Sainte Marguerite Marie. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche et que je viens vers toi pour te demander la grâce de la divine volonté, vraiment la vie dans la divine volonté, pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Eh bien Jésus, je te fais confiance. Et je viens demander à ton Père, en ton nom, eh bien la vie dans la divine volonté pour tous les hommes de tous les temps, du premier homme jusqu'au dernier. Nous avons vraiment besoin de pouvoir rayonner de ton amour dans ce monde et éradiquer vraiment le mal autour de nous, pouvoir le dissiper, que ta lumière eh bien, éclipse les ténèbres autour de nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi et je te demande d'intercéder pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui désire tout nous donner, qui nous aime tellement, qui nous rappelle à revenir dans les églises, à venir le communier, à venir l'aimer, à venir lui proposer notre âme pour y habiter. Ton fils, Marie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes paroles, Jésus, parce que je te fais confiance et je sais que tes paroles sont vie, eh bien je te demande la vie dans la divine volonté pour chacun des hommes, du premier au dernier. Nous voulons tous cette vie dans la divine volonté, et même ceux qui ne la désirent pas, même ceux qui ignorent ce trésor, eh bien nous le demandons en leur nom. Nous demandons cette grâce en leur nom. Cœur sacré de Jésus, j'ai vraiment confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, eh bien, intercède pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous, pour tous. Marie, nous sommes tous tes enfants et nous avons tous besoin de ton aide. Répands la flamme d'amour, ta flamme d'amour dans nos cœurs pour que nous devenions vraiment de bonnes personnes et que notre vie glorifie Jésus. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, toi qui n'es que miséricorde, toi qui nous aimes d'un amour infini, aie pitié de nous pauvres pécheurs et accorde-nous la grâce que nous te demandons de la vie dans ta divine volonté. Nous voulons plus de toi, Seigneur, nous voulons mieux te connaître, te laisser plus de place dans nos vies. Viens prendre toute la place, fais ta demeure définitive dans nos cœurs, Seigneur. Et nous demandons vraiment cette grâce. Eh bien, par l'intercession de Marie, par son cœur immaculé, et nous demandons également à Saint Joseph, ton Père adoptif Jésus, le Père adoptif du Sacré-Cœur, eh bien, de venir nous servir de guide, de nous prendre par la main, et avec Marie, de nous conduire dans ton Sacré-Cœur Jésus, pour que vraiment nous soyons dans ce refuge d'amour, nettoyés et embellis par tes souffrances, ton sang, ton amour, tout ce que tu nous as gagné. Vraiment Jésus, tout ce que tu veux nous donner. Et bien voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons prié et médité ce moment avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus vient refaire, et bien, tout ce petit moment que nous avons pris pour toi, viens le refaire dans ta divine volonté. Voilà, si ma voix est un peu d'outre-tombe, eh bien, voilà, peu importe, reçois ce moment comme vraiment un moment brûlant d'amour pour toi et reçois-le au nom de tous, Seigneur. Voilà, soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.